接下来要去法国看看。法国全境的抗议暴乱经过了连续六天逮捕了超过2000人之后，过了周六日并没有特别好转，大城市到郊区的暴乱是有一点缓和，但是民怨的气氛并没有止息。在巴黎郊区叫做拉雷荷斯市的市长官邸遭人开车冲撞纵火，市长的太太带着2个幼儿赶忙从后门仓皇逃出来，太太的身体受伤骨折要3个月才会好，引爆了舆论的批评。那么这次抗议潮的原因是因为南特有一个17岁的少年，他在交通临检的时候警方涉嫌执法过当一枪把他毙命，少年的家人出面呼吁停止打砸烧的暴乱，也强调希望杀害孙子的原警受惩罚。而法国总统的马克宏呢，批评说是社交媒体煽动暴乱使得青少年脱离现实，他的发言却没有检讨警方执法过当，让民怨呢更加炽热。对于郊区有很多移民族裔来说，马克宏的谈话就是火上浇油，因此现在因为民怨所引发的各种抗议和政报的互动并没有停下来。面对市民们的加油打气，巴黎近郊拉荷雷斯市市长尚庞还是笑不出来。全发暴乱，7月11日，他驻守市政厅，自宅却遭人驾车冲撞，甚至纵火。他的妻子与2个幼子惊醒后从后门逃跑，孩子轻伤，妻子则胫骨骨折，3个月无法走路。La qualification de tentative d'assassinat a été choisi par le parquet。巴黎市警局长努涅兹受访表示，用燃烧的汽车冲撞民宅当然可能造成更大的火灾，用谋杀未遂来定调侦办是合理的。拉雷荷斯市市民则觉得抗争民众不能因南特17岁少年之死就任意迁怒放肆打砸烧。Complètement honteux, ça n'a rien à voir avec la mort de Naël, c'est simplement du pillage. 法国时间6月27日，住在南特的17岁阿尔及利亚与摩洛哥混血少年纳赫尔被拦检，他的警察枪击死亡，让法国各大城郊区移民族裔的积怨一次爆发。全国从南到北都发生警民冲突，45000名警察与宪兵疲于奔命。Ils auraient dû arrêter. Ils ont fait ça le prétexte de Naël. Non, ils ont pas arrêté. 超过2000人遭到逮捕，这场自2018年黄背心运动以来法国最大的全境暴动，说是民众迁怒也不尽然。法国移民族群对警报、种族歧视与经济弱势现况的不满，至少从马克宏第一个任期内就开始。Mais je vais vous dire une seule chose. Ils ont fait la dernière tout policier. Tant mieux pour lui. Il a une fille, il a un enfant. Il m'a pris mon petit-fils. Que cet homme-là, il soit puni. Moi, la grand-mère, ils m'ont fait perdre ma fille et mon petit-fils. Les deux, j'en peux plus. Ça y est, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je dors plus, même la télévision, j'ai éteint tout, tout, tout. Je veux pas entendre parler de ça.纳赫尔的祖母虽判暴力止息，也哭诉身为贫穷移民后裔的无奈和绝望，但法国政府目前还在以暴制暴的阶段，满街重装备的远景防止暴动在入夜后恶化。Ça fait trois fois hier, on m'a contrôlé deux fois. Là, là, dans la journée, ça a fait, on s'est fait contrôler au moins quatre fois. Et mélange tout. Ça veut dire, elle est noire, du coup, elle est comme ça. Voilà, elle est comme ça. C'est un arabe parce qu'il est comme ça. C'est pas comme ça la vie.压制了暴动，却加深民怨。尤其这次法国警察杀死的是手无寸铁的未成年人。法国总统马克宏出访德国，紧急喊停，召开安全会议，却没有听到他对警报的检讨，还表示政府要求社群媒体平台删除与骚乱有关的敏感内容。Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours.Social media have played a major role in the movements in recent days. We have seen this on TikTok, Snapchat, and many others where violent gatherings were organized. Also a mimicry of violence, which brought young people out of reality. 现实是从硬推退改政策过关以来，马克宏民意跌到谷底。不过资源用在刀口上，另一个残酷现实就是法国各大城观光区域在警力戒护下多半一切如常。从凯旋门到香榭大道，观光客们眼中的花都依然美丽。We also had that in the United States back in 2021 with George Floyd. 美国游客看出端倪，从巴黎、马赛到尼斯，各观光城市的警力都正努力压制暴乱。
The police in French is racism. Imagine ça arrive à mon grand frère, mon petit frère, n'importe quoi dans la rue. Parce qu'il a refusé de tempérer. C'est-à-dire là, on n'est pas en sécurité. On doit être en sécurité avec la police, on a peur d'eux. C'est pas normal. 尽管舆论谴责暴动民众不理性，借故闹事。但法国学界与媒体，例如《世界报》也批评，法国政府多年来不仅没认真处理市郊移民受歧视、难摆脱经济弱势的族群差异问题，就连美国与英国对警察执法不当开始改革，也不见法国政府跟进。马克宏若拒绝处理关键问题，民怨只会更深。2024巴黎奥运可说前景堪忧。TVBS 新闻综合报道。